Bonjour. Sur les premiers tests ADN que nous avons faits, les 10 premiers tests, 9 tests sur 10 révélaient de la présence de cheval dans les plats cuisinés. Sur les 40 tests suivants qui ont été réalisés plus récemment, seulement 2 tests sur 40 étaient positifs au cheval. Nous avons réalisé 138 tests ADN à cette étape. Et cela confirme quoi? Ou en tout cas, cela laisse entendre quoi? Je veux être prudent. Que plus les tests sont anciens, plus on trouve du cheval. Plus ils sont récents, moins on trouve du cheval. De cette crise, l'Union européenne doit sortir par une décision protectrice. Elle doit sortir par le haut. Elle doit montrer que face à la tromperie économique qui est inadmissible sur le marché intérieur, parce qu'on a vendu du cheval au prix du bœuf et ce sont les consommateurs européens qui ont payé la différence, vis-à-vis d'une crise comme celle-là, on doit sortir par le haut.